Bonjour, je vais vous présenter ma pièce sanitaire. Alors, je vous présente ma batterie de 6 terrariums qui font 1 mètre sur 40 sur 40. Vous avez, si je regarde derrière, on va tourner, la pièce d'eau. Voilà les terrariums. On en parlera tout à l'heure. Là, vous avez la réserve, une partie de la réserve. J'ai d'autres frigos pleins. Le bureau du secrétariat. Et oui, vu les chaleurs qu'il y a à l'heure actuelle, eh ben, j'ai installé une clim dans ma pièce parce que sinon, ça montait à 35. Là, j'aurais eu des œufs cuits. Tout est bien fermé. Là, vous avez la deuxième partie, les closeries, l'incubateur, on va dire la pédiatrie. Je mets les naissances en attente qu'elles soient bien développées. Dès qu'elles commencent un petit peu à percer dans l'incubateur, je les place ici, de manière qu'elles évitent de mettre la pagaille dans la couveuse. Donc, c'est ma pédiatrie ici. On attend un petit peu, un ou deux jours. Petit ventilo. Et puis bon, bah là, comme je vous l'ai déjà présenté, mon incubateur. Hein. Là, vous avez déjà ce qui me reste, une partie des coquilles d'œufs de toutes les tortues qui sont nées. Les classeurs où sont répertoriées toutes mes naissances. Alors là, c'est surtout les naissances 2021. Ça, c'est pour occuper les enfants quand les parents viennent choisir leur tortue. Là, vous avez des affiches, des panneaux sur l'anatomie de la tortue. Quand je fais des conférences, logiquement, je les présente sur un présentoir, un grand présentoir. Bon, vu les chaleurs, j'ai dû rentrer mes tortues, car dehors, elles avaient trop chaud, elles ne bougeaient pas, surtout mes naissances 2022. Les tortues, les autres, les adultes, les 2021 sont dehors. Hein. Mais mes 2022, je les ai remis en terrarium. J'ai déjà une centaine de naissances. Voilà mes petites pitchounes. Je les ai mis ici. Elles ont moins chaud. Elles arrivent à venir boire. Les pitchounes qui sont nées il y a à peu près une semaine. Depuis juin, fin juin, j'ai des naissances. Elles vont profiter un petit peu et dès que les chaleurs vont redescendre, je les remettrai dehors. Là, il y en a ici aussi. Mais bon, elles sont cachées sous les feuilles. Voilà, la petite famille. Petite naissance, pitchoune. On va la remettre à se reposer tranquillement. Donc voilà, je vous ai présenté ma pièce sanitaire. Là, vous avez le tableau de toutes les présences de mes tortues dans mon élevage. Je sais où se trouvent toutes mes tortues. Bon, ben j'espère que cette petite visite de ma pièce sanitaire vous a plu. Et surtout, j'ai encore quelques naissances 2021 de disponibles. Vous avez encore un petit peu de choix. Sinon, il faudra attendre
avril 2023 pour que je puisse vous proposer mes pitchouns là 2021. Car là, je préfère attendre un petit peu. Je ne vais pas les faire pucer cette année. Je vais attendre leur sortie d'hibernation. Ça sera plus pratique. Voilà, et ben j'espère que la petite visite vous a fait plaisir. Et surtout, et ben n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de réaliser votre rêve, d'adopter une petite tortue. Sur mon site www.torturama.fr, vous trouverez mes conditions de vente. Mais surtout, écrivez-moi sur mon adresse mail torturama@orange.fr. Car là, je vous répondrai, je vous enverrai mes conditions de vente, je vous enverrai des photos pour choisir votre pitchoun une fois que votre réservation est faite. Là, j'ai d'autres incubateurs. Mon premier, là, le rouge. L'autre, c'est un dépannage. Allez, les petites pitchounes. Elles sont mieux ici que dehors, parce que là, dehors, sous la serre, elles avaient vraiment chaud. Elles ont un point chaud à 28 degrés et à l'extrémité, il y a à peu près 20 degrés. Avec la clim, ça va, j'arrive à descendre à 20 degrés dans la pièce. Mais quand j'avais pas la clim, il y avait à peu près 30-35. Et oui, il fait chaud partout. Ils sont gâtés. Allez, bon dimanche, à bientôt.